pouvez contrôler tout de suite là. Le Dom Club, peut-être que justement ce genre de match avec son pays peu tunisien, avec Sassi qui l'a reprise de la tête après, une petite charge après. Numéro 8 zambien qui joue à l'étranger, lui joue au Danemark. Équatorial, victoire de la Tunisie à l'époque. Le bon corner frappé par Malou, les dégagés des deux points. Trouvé sur le côté gauche, sur peut-être son capitaine. De se mettre bien dans cette qualif. C'est Matuidi qui cherche vers l'avant, vers son capitaine. Pourquoi pas une première incursion côté zambien avec Nwila, justement, le rempli étendit. Pourquoi pas aller jusqu'à Wabi Kazri qui réclame une main. Capitaine de jouer pour le deuxième. Et voilà, dans les filets, bien placé, impeccable. La Tunisie qui n'attend pas pour ouvrir le score. 1-0 pour les Aigles de Carthage. Et à nouveau, le capitaine Wabi Kazri pour mettre les siens devant au score. Et penalty parfaitement tiré, vous l'avez vu. Puissant et placé. 21e but en sélection pour Wabi Kazri. Pour sa 61e sélection aujourd'hui. Défaut d'avoir eu véritablement des occasions dans le jeu, au moins ils ont été encore une fois réalistes, les Tunisiens. Maintenant c'est Mumba Moussanda. Et bien prise acrobatique, encore la remise acrobatique, et pourquoi pas la frappe, beaucoup trop et Nwila qui tourne autour. C'est dégagé finalement, qui a été bien pris par Maloul, qui attendait du soutien. Il l'a trouvé avec Dylan Breya. Transversal vers Maloul. Et un petit... C'est plutôt pas mal frappé. C'était pour Chiloufia. Ça a été bien dégagé, il me semble, par Fia. Au duel avec Meria. Mais il s'impose au physique. Sanda. Et a été contré une fois, deux fois. Oh, bien joué. Il a bien effacé son vis-à-vis. La frappe roulée. Et le... Derrière Gaboué. Va chercher Nwila. Il cherche beaucoup. Kepeshi s'est fait beaucoup trop facilement éliminer par Benyous. Encore Matt Petit impeccable. Et c'est pas fini. Corner joué en deux temps, Wabi Kazri, ouf. Donc un petit quelque chose, peut-être un petit peu d'inspiration et de justesse comme sur ce... Jaziri qui tente de se l'emmener, le centre contré. Et toujours le jeu des Aigles de Carthage. Le bon petit ballon pour Matfouti. La tête de Meria. Centre plutôt bon de Kaboué. Bien dégagé. Et pourquoi pas, si personne ne la prend. Débordé, et Matfouti a encore un troll orienté, et le 1-2, et la première tentative de frappe. Frapper ce corner, le capitaine, deuxième poteau, renvoyé par troll pour effacer Sassi. Le 1-2, avec les deux points de Ben Mustapha. Ouh, le pied. Voici, mais il perd le ballon. Attention, le centre passe par Moussanda. Bon centre là encore, et ça. Et Chiloufia au duel. Laïdouni, Issa Laïdouni derrière, et les Zambiens qui avancent. Qui va chercher Zaziri. Bon, ça s'est manqué, précipite. Tout petite charge effectivement sur Dylan Brown. Mis sous pression, mais ballon gardé par... Eh, ça c'est bon, bien joué de la part des Zambiens, de la part des hommes. Et Nwila, et encore une nouvelle tentative de frappe. Et Nwila, il n'y a personne dans la surface de réparation. Ok. Mais le ballon, Sakni qui est dans le mur, vous l'avez vu. Elle va tenter la frappe directe. Et nouveau ballon dans la boîte, côté zambien pour Egypte Polo Polo. Ça c'est une touche longue, très longue même côté zambien, un peu la 4. Virginie Sassi qui a vu Wabi Kazri tout seul côté droit. Et... Attention, le centre en retrait. Et le ballon côté tunisien. Et... Et bon centre, attention Nwila. Kampamba chassé par Wabi Kazri, nouvelle. C'était Kampamba d'ailleurs sur les potentielles erreurs d'arbitrage, même si c'était bien joué de. Et donc remplacé par Kampamba. Kampamba
Kampamba était bien pris, il a été. Encore faut-il qu'il soit un peu mieux tiré que ça. Mais Slimane qui dégage. Kaboué un petit peu manqué et dégagé sans trop de problèmes. Revenir de nouveau sur Moussanda.